Bon, eh bien, j'ai bien fait de sauvegarder, car le jeu a crashé juste après avoir chargé la zone. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah là là, j'aime pas ça. Où est-ce qu'on est? On est en haut. Bon, vite, tout le monde s'en va. Vous venez encore me déranger? Ouais, je viens de déranger. Je suis tout à vous. On est poursuivi par... Jal, quelque Calais. Chose vous dérange? Oui. Sans aucun doute. Ah, des cochonneries de rats. Allez, là. Ok. Qu'est-ce que c'est? Vous m'avez... Je ferai votre... On tombe direct sur un point de spawn. C'est pas très sympathique. En plus, des rats. Des rats super pénibles. Alors, ici... Je crois que ça mène aux caves souterraines. On va pas y aller, hein, on y est déjà parti précédemment. Dans cette branche, il doit y avoir plein de bestioles à 8 pattes. Ce sera fait. Assez énormes. Je vais quand même envoyer mon taron en premier. Peut-être des araignées géantes qui... Ça c'est quoi? Colossal, ça va. C'est les géantes qui envoient des poils. Bon, je m'envoie Kaya. Parce que Kaya, elle sait gérer. Oh, des rats. Venez. Vous commencez à me porter sur les nerfs. Ouais, je te porte sur les nerfs. Balance une boule de feu ici. Parlez. Kaya, elle va se barrer. Allez! Oui. Qu'y a-t-il, ma voix? L'île Allure, au nom de Char, la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est? Ce sera fait. Parlez, certainement. Oh, encore un rang. Oui. C'est quoi? Gelée moutarde. Oh, deux gelées moutardes. Ok. Et là, moi ça, c'est plus rentable. Oh! C'est quoi ça? Il y en a combien? Oui! Je me meurs! Destructeur de l'univers! Ah vache! 10 000 points d'expérience, quoi, hein! La prochaine barrière! Ou meurs! Je me meurs! Destructeur de l'univers! Qui c'est qui a une arme inefficace? Ah, Xar, oui, oui. Qu'est-ce qui doit disparaître? Ne dormez que d'un œil, tyran! Alors là, on rejoint... le duo. Tiens, c'est qui ça? Ah, je me souvenais plus de lui. Qu'est-ce que c'est? Sans aucun doute. On va aller lui parler. C'est le disciple d'un personnage intéressant. Restez où vous êtes, pas l'enfant. Mais... Votre peau, elle est verdâtre, vivante et grouillante. Qui vous a fait ça? Vous confondez bénédiction et malédiction. Bon, bref, encore un cinglé. Et le responsable de tout cela est un peu plus loin dans le couloir. On va aller l'assaisonner. Le voilà, c'est lui. La gelée, la Schlumsa, le roi des égouts. Vous avez été élevé parmi les livres, je le sens. T'es qui, toi? Je suis...
ne pénétrait-il dans mon esprit? Je ne sais pas comment vous y parvenez, mais ça ne me plaît pas. Un instant! Alors Xar, lui, il est intrigué, plus qu'effrayé. Je sens un mage, un nécromancien, à me parler. Vous avez vraiment une jolie installation ici. Dissous les esprits et les volontés, mais pas les corps. Fascinant! Comment vous y prenez-vous? L'admiration est réelle. Rejoignez-moi, vous verrez. Eh, ne soyez pas absurde. Je veux juste savoir comment vous le faites, pas y participer. Les secrets ne peuvent pas être partagés. Je dois vous achever maintenant! Bon, alors il devient hostile. Bah nous aussi on va devenir hostile. On va lui balancer une boule de feu dans la gueule. Non, qu'est-ce que je fais là? C'est n'importe quoi. C'est ça que je veux prendre. Toi tu vas prendre ta baguette de feu parce que il faut que ce soit rapide. Alors Kaya, hop, utilise ton collier de projectiles. Nikonia, t'es assez près. Donnez-moi de la force. Utilise ton collier de projectiles. Vous venez. Et Edwin, utilise ta baguette de feu. Ça devrait les refroidir, si j'ose dire. Eh mais il y a encore des survivants. Je meurs. Destructeur. Et ben voilà, lui, il n'a pas survécu longtemps. Et lui non plus. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? J'attends vos instructions. Shloum, ça est mort. Exquise. Mais Xar, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de ramasser des morceaux de ce monstre dans un de ses bocaux? Eh bien, oui. Et pourquoi? Pour un échantillon, pour une conférence, pour la revue annuelle des nécromanciens. Tu envisages de jeter ça sur quelqu'un, hein? Oh, pas sur vous. Bon, bah, seulement sur sa révoque. Vraiment, Kaya, quelquefois, vous parlez comme si vous pensiez que je n'ai aucun sens commun. Bah, c'est le cas, hein. Je pense que t'es cinglé. Comme n'importe quel joueur qui a déjà utilisé Xar. D'ailleurs, il va faire des bêtises avec sa flaque de Shloumsa. Sa fiole de Shloumsa, pardon. Il y a d'autres choses, là? Il y a une gemme? Il y a quoi? Allez, d'accord. Ah, il y a une gemme ici. Je l'ai pas vu. Je suis d'accord. Bon, bah, toutes les gemmes, c'est pour... Alors, ça, je le garde. Les gemmes, c'est pour Viconia, on a dit. Les anneaux, c'est pour Edwin. Et donc... Lui, il a dû récupérer une fiole de Shloum, ça. Ça, c'est typiquement du... Oui. PG1 NPC Project. Vous feriez mieux de prêter attention. Et il va faire des choses au avec jour plus merveilleux. Tard. Kalou, Kali. Qu'est-ce que c'est? Ce sera fait. Des choses bizarres. Ça a intérêt. Ah. Alors, bah, il y a peut-être encore quelques araignées, ou pas. Il y a peut-être plus rien, hein, d'ailleurs. Non, là il n'y a rien. Et là il n'y a rien, il y a la sortie. Où est-ce qu'on peut sortir? Moi je voudrais sortir au sud-ouest. Parlez. Alors, de mémoire, peut-être bien cet escalier. Certainement. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ouais, on a tout exploré. Je vais aller faire mon compte rendu à la balafre. Puisque j'ai trouvé l'auteur des enlèvements, c'était l'ogre mage. Je suis où? Ok, on est par ici. Sans aucun doute. Je pense pas qu'il y ait des personnes hostiles ici. Eh, c'est qui lui? Salutations. Je vous conseille de demander audience à la Badrafre. Où est-il? Il attend le quartier général du pont enflammé. Ouais, ben, on y va. Hein. Bon, ça, c'est juste un personnage qui nous rappelle à l'ordre si jamais on n'a pas commencé les quêtes de la balafre. Mais on les a déjà commencées. Il y en a même fini une. C'est les 7 soleils. Et là, on est sur le point de finir la seconde. Celle des enlèvements.
Alors, qu'est-ce que tu me veux, mon gars ? Je suis un homme de parole. Où en êtes-vous ? Alors, c'était un ogre mage caché dans les égouts. Il possédait plusieurs vers charnières. Donc on va lui dire ça. Ah, vous avez fait du bon boulot. Donc, normalement, elle portait une chevalière sertie d'un rubis, une noble. Et bah oui, c'est pour ça qu'on l'a récupérée, qu'on l'a mis au doigt d'Edwin. Voudriez-vous bien... Et ben voilà, donc là, ça c'est du BG1 NPC mode, ou du Finish Business, je sais pas trop. L'un des deux. On a ramené le corps de la femme noble, et c'est ben, il est content. Et il nous donne beaucoup d'expérience et beaucoup d'or. Ok, ben voilà, on a fait ça. Il nous attend dehors pour la suite des événements. On va vite fait s'occuper d'une mini-quête avec lui, je crois. Fergus, voilà. Lui, Fergus, il veut se marier. Hein ? Et il veut trouver un bel anneau pour sa fiancée, mais elle veut un anneau de peau d'ange. Ben, ça tombe bien. Edwin, il en a gardé un à son doigt. Anneau de peau d'ange, normalement. Je suis prévoyant, voilà, c'est un bleu. Hein ? Et ça fait 800 points d'expérience. Hop, il y a un point de réputation. J'en demandais pas tant. Bon, avant de parler à la balafre, c'est pas utile de parler maintenant. Je vais aller régler les histoires de nécromanciens en donnant le corps à Archion. Il sera content. C'est où la sortie ? C'est là. Sauvegarde.